Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans la partie 3 du tuto sur comment faire ce bateau, donc le bateau qui est fini là et le bateau en construction. Donc on en est là, j'ai fait les sols et j'ai rajouté ici des petits marquages avec des escaliers pour vous expliquer mieux. Donc la dernière fois j'ai pas mis ici des demi-dalles sur l'avant, donc on va le faire tout de suite histoire de ne pas oublier. Donc ça rend le bateau largement plus joli en fait, puis ça permet pour le sol là qui est pas les des blocs de laine comme ça par exemple, si j'avais mis le sol un bloc plus bas, puis l'espace à l'intérieur il sera beaucoup beaucoup mieux. Donc par contre j'ai pas fait dépasser, voilà, faut faire dépasser de 1. Bon, je sais plus mettre des demi-dalles, c'est abusé. Hop, voilà. Donc c'est un peu les demi-dalles hein, qui font le charme de la coque du bateau, comme vous voyez là, les demi-dalles qui dépassent. Donc je trouve vraiment sexy, c'est l'un des plus beaux que j'ai fait. Et j'en suis vraiment très content. Quand je l'ai fait, j'y croyais même pas. Donc, ouais, donc j'espère que vous appréciez le tuto. Si vous voulez pas le refaire, vous avez la map en description. Voilà, donc les petites demi-dalles qui vont bien. Donc je vous donne pas de mesure, hein, y en a pas besoin vu que vous avez déjà commencé avant. Si vous n'avez pas commencé à regarder le tuto, je vous invite à regarder l'épisode 1. Qui vous permettra bah, de suivre le tuto. Donc voilà, donc là on a la coque. Oh là là, la coque qui est juste trop trop belle. Bah, je trouve, hein, l'avant en tout cas. Donc ici, on va commencer par les escaliers. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc ici, vous comptez 1, 2, 3. Hop, à quatrième, vous posez un bloc. Un bloc blanc. Ici, vous laissez 2. Donc un bloc de neige. Pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Donc là, vous posez en symétrie en gros. C'est vraiment en symétrie. Donc là, 1, 2, 3, on pose. Donc là voilà, et ici on fait 1, 2 et on pose. Donc on va poser comme ça. Donc ça donne ça. Et ici, pour nos escaliers, on va avoir quelque chose de plein. Bah de plein. Vous allez voir, on va faire ça comme ça. Hop, ici, tac, tac. Comme ceci. Donc là, vous, quand vous êtes comme ça, vous ne le voyez pas. Donc je vais mettre l'escalier de l'autre côté, comme ça bah, ça sera plus beau et peut-être plus pratique pour vous à comprendre, parce que je sais que c'est des tutos, c'est pas facile du tout de les suivre, c'est même plutôt dur. Donc bah, si vous arrivez à les suivre, hein, GG à vous. Donc là, ici, je vais mettre le sol tout droit. Vous allez voir pourquoi en fait je le fais pas ici. Donc là, vous voyez, vous avez mis vos trois boutons, vous arrêtez le sol ici, et pour vos marques de repère. Et donc là, ici, hop là, là vous arrêtez à partir de du trait gris le sol. Puis après, bah, en bas, vous le remplissez comme ceci. Donc voilà, donc je vous ai donné les petites marques de repère. Maintenant, à vous de jouer, j'ai envie de dire. Donc j'ai eu le temps, ça a été super rapide de les faire à la main, hein, le sol, pour ceux qui se demandent. Ou qui veulent pas le faire à la main, tout simplement. Puis je vous comprends, si vous voulez pas le faire à la main, c'est totalement normal. Donc, hop, voilà, comme ceci. Donc je vais voir si en haut j'ai fait comme ça. Ouais, en haut je n'ai pas tout à fait fait comme ça, mais ça va être dans le style. Donc en fait, ici, voilà, vous enlevez juste ces blocs là. Donc vous faites, hop, hop. Voilà. Et là aussi. Donc ici, là vous pouvez remplir. Ça va le faire. Voilà, et donc là, ça va être comme ça. Ouais, vous pouvez remplir en fait. Bah ouais, si vous pouvez remplir, hein, plus ou moins. Donc on va faire la suite. Donc ici, une fois que vous avez rempli, vous avez normalement un bloc qui dépasse là, ça fait. Et comme ça. En gros, c'est ça que j'ai fait. Hein, et avec les petites vitres grises, voilà, comme ça. Là j'en mets jusqu'ici, peut-être c'est jusqu'en haut. Ouais, c'est jusqu'en haut. Donc là. Après une fois escalier, on a l'escalier à 1, 2, 3, 4. Et à 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4. Donc là. 1, 2, 3, 4. Et là, hop. Et ici. 4. Et donc là, normalement, si c'est bon, ça fait ça. Si c'est bon, logiquement, c'est bon. De toute façon, s'il y a une erreur, on la corrigera plus tard, mais
Je suis pratiquement sûr que c'est ça. Donc 1. Parce que 4. 3 plus. Voilà, donc on va aller chercher un repère pour vérifier quand même, parce que je voudrais pas vous dire de conneries non plus. Donc là, ici, on a. C'est là où commence l'escalier. Là où commence l'escalier. Voilà, c'est bon. On a raison. Donc on va le faire suivre comme ça pour que de l'extérieur ça soit pas dégueulasse. Voilà, donc ça fait une vitre continue. Donc c'est largement plus beau. Après maintenant en fait on s'est occupé d'ici. Donc après c'est des tableaux, c'est un peu de tout et n'importe quoi. Là on va s'occuper du bas. Donc le bas, ça va être ça. Comme ça. Hop, et là, on fait. Attendez, ça va être ça comme ça. C'est comme ça déjà. Après on va aller voir. On va aller revoir de l'autre côté. Alors on a ça. Après, ah ok, donc après en fait c'est un petit bout de muret, donc un petit bout de mur en pierre. Je sais pas où ils sont d'ailleurs, je crois qu'ils sont là-dedans. En fait non, pas du tout, ils sont là. Voilà, ils sont là, c'est ceux-là, c'est les murets bah, normaux hein, tout simplement. Donc en gros on en met un en dessous pour soutenir, et après ça fait 1, 2, 3, et 1, 2, voilà. Donc là, on arrête là, tac. Donc derrière 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 voilà, donc là ça fait ça. Ici on a notre porte. Attendez, est-ce que je fais comme ça? En fait je regarde pas tous les détails, ouais, je regarde ce qui m'intéresse un peu dès le début. Donc c'est des vitres pleines, ouais, blanche grise hein, on s'en fout un peu. Donc attendez, on va voir la couleur. Ouais c'est ça. Donc ouais, donc en fait pour aérer l'espace j'ai pas mis ça comme ça, je fais ça pour que ça soit beaucoup plus lumineux entre guillemets hein, pour que ça soit plus beau. Et donc là les portes, voilà, ouais, c'est ici, je mets ça là, là où la porte il me semble qu'elle est ici, on va aller voir ça tout de suite. Ah non, ok, ouais j'ai même pas, ah ok, non j'ai même pas mis de porte. En fait ici c'est une entrée de ponton un peu. Bon, je vais mettre direct ça parce que ça me gêne un peu de pas les voir, de pas les avoir mis en tout cas. Donc une fois qu'on a ça, ouais j'ai mis des blocs comme ça en fait pour faire plus stylé. Bon, c'est vraiment comme vous voulez, vous les mettez si vous voulez, sinon vous les mettez pas. Ouais, je vais en mettre un quand même parce que ça rend beaucoup plus beau. Donc voilà, hop, on a fait ça. Maintenant, mais bien. Voilà, je fais une petite coupure parce que j'ai des problèmes d'FPS. C'est un peu casse-couille ça. Mais c'est réglé. Donc, ici, ouais, je vais prendre des blocs lumineux. Hein. Voilà, ça. Donc les balises. Voilà. Donc là, par contre, on a l'escalier d'ici. Et après, 1, 3, 1. 1, 3, 1. À partir de l'escalier qui est... à l'envers là, tac. Ok, derrière celui-là on passe sur le côté et là on a ici 1 3 1 1 3 1, voilà, donc slash time set day, voilà, la seule commande que je connais, vous en rappelez dans l'épisode précédent bien évidemment où je ne savais plus enlever l'eau. C'était n'importe quoi. Ici, bah ouais, donc là j'ai caché le sol qui était au-dessus par des demi-dalles. Ok, donc ici il y a un d'écart poteau et ok. Ouais, donc en fait, ici par contre c'est chiant de rentrer dans des trucs de cases, voilà. Si vous avez votre milieu, un d'écart et vous n'avez plus qu'à mettre un poteau. Voilà, donc faut que je reprenne les vitres de tout à l'heure. Donc les vitres blanches. Donc le bois on n'a plus besoin normalement pour la construction. On a déjà eu pour les sols. Et donc là, hop. Au-dessus. Et donc là on va entamer les demi-dalles. Donc je sais pas pourquoi ça marche plus le clic molette pour récupérer les objets qui existent déjà.
Donc si vous avez des réponses. Donc là en fait c'est juste qu'est-ce qu'on va faire, on va juste masquer le bois. Et donc là on va mettre des escaliers en quartz. Ouais, la porte, je sais pas si on aura besoin. Tac. Et donc là on les met à l'envers comme ceci, tout simplement pour cacher. Et ça sera beaucoup plus stylé, surtout qu'on va rajouter des plantes vertes. Donc comme vous l'avez vu là, les arbres. Donc excusez-moi si le tuto est pas ordonné. En fait, je construis le bateau comme si j'en faisais un nouveau. Donc j'espère que c'est pas trop dérangeant pour vous et que vous comprenez quand même. Alors là, voilà. Ici. La petite plante verte. Voilà, on va prendre ça. Les boutons, on n'a plus besoin. Donc là, milieu, un d'écart. Est-ce qu'elle est là? Un d'écart. Ok. Donc, vers intérieur. Donc ici, un d'écart. Boum. Un d'écart. Boum. Escalier intérieur ici. Oh, attendez. J'ai un petit doute. Je crois que c'est ici. On va le mettre là. De toute façon, vous le décalez. Hein. Vous le mettez où vous voulez. C'est comme vous voulez. Hop. Je vais peut-être plus le mettre au niveau du poteau. Hein. Après, c'est intérieur. Voir là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est au niveau du poteau. Donc, c'est bien ça. Donc là, en gros, on a fini ce ponton-là. Pour l'instant là on va faire tous les pontons arrière dans cet épisode. Là. Ici. Vitre blanche. Ouais, j'ai enlevé la vitre blanche. Mais okay, j'arrive pas à récupérer ça. Ça me saoule un peu. Donc ça, c'est presque bon. Parce que du coup on n'a pas fait le dessus. Donc le dessus c'est laine et rebord en quartz. Ok. Donc là ça fait ça. Ah par contre non. Ouais c'est sérieux là. Donc là j'aurais mis deux, mais parce que voilà. Là. Ouais de toute façon ici. Ici voilà. On a trois de bois. Et là. Il n'y a plus qu'à poser les vitres par-dessus. Donc c'est les garde-corps en gros mais en vert. Le bois. J'ai l'impression que l'inventaire est tout petit. Puis surtout que vu que je traîne pas beaucoup dedans, je sais pas trop où c'est situé. Voilà. Donc là on a l'arrière qui est déjà bien entamé. Après là, on a balise, poteau qui est ici, donc là où il y a du bois, un d'écart. Tac, un d'écart, bois. Tac, un d'écart bois. Donc pour vous repérer, il y a le petit arbuste en dessous. Donc celui qui est à un d'écart de la fenêtre là. Donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais logiquement oui. Mince. Ah et puis la balise, voilà. Donc faut se sneak hein, pour toutes les personnes qui veulent refaire ça. Je précise hein, parce qu'on sait jamais. 3. Donc après ça va être du au-dessus. Ah voilà, donc ouais je vais refaire ça. Donc là on a 1-3-3, bah 1-3-1 plutôt, et là en gros c'est la même chose. 1-3-1 en partant de derrière l'escalier. Donc là c'est comme tout à l'heure. 1-3-1. Tac, comme ça. Donc ça va sûrement être caché, j'en sais rien. En fait je sais plus comment j'avais fait pour dissimuler là, les trucs dégueulasses. Ouais voilà, j'ai mis des tableaux un peu tout et n'importe quoi. Décoration vraiment nulle. Par contre j'arrive plus à sortir. Décoration un peu nulle, mais bon, ça fait l'affaire. C'est juste là pour faire joli. Muret. Tac, vitre blanche. On met par-dessus. Voilà. Donc vous commencez à connaître maintenant. Hop, ici on met ça et une petite porte qu'on met là, voilà. Bah, par contre on va commencer par ça va un peu entamer le toit, mais c'est pas grave. Ouais on va commencer un peu entamer le toit. Donc ici en gros on met 1, on fait 3 2 1 1 3 2 1. Donc, 3, ouais tout ça faut que je fasse ça. 2 3 2
1, 1. De l'autre côté, on fait pareil. 1, 2, 3. 2. 1 et 1. Et après, ça va être une jonction. Bah, ça va être comme ça. On finit juste ça. Donc, quand on est à l'intérieur, bah, on voit pas la différence. Ouais, donc là, s'il faut que je fasse quand même un peu le toit. Donc là, on met la laine ou le quartz. En fait, vous mettez la matière que vous voulez, c'est blanc, hein, puis ça se voit pas. De loin. Ça rend comme vous voulez. Je vais mettre de la laine, hein, comme ici. Ouais, j'avais mis laine, laine quartz. Donc là, un milieu. Tac, ici. Oh putain. Oh, ça va être casse-couille à mettre là, par contre. Milieu 1 et milieu 1. Ouais. Ouais, je suis pas trop convaincu là. C'est bah, c'est juste, ça risque d'être un peu chiant. Donc là, en gros, vous mettez en hauteur. Comme ceci. En gros, c'était surtout pour camoufler ça. Pour faire un bel arrondi que j'avais mis ces blocs. Bah, ces demi-blocs. C'est pour que le bateau soit plus joli. Tac. Ouais, de toute façon, après le toit, on va le faire, donc ça sera pas aussi moche, hein. Ça sera beaucoup plus beau. Ça va être comme l'autre côté. Donc là, en gros, c'est un peu le plafond. Bah, c'est le plafond, on va dire, du toit. Donc là, un tac. Un tac. Oh, ouais, donc j'ai bien fait de pas le faire tout de suite. Par contre, c'est 1 et j'avais pas vu que c'est... Voilà, 1 diagonale 1 diagonale 1 et milieu 1 comme ça. Finalement, j'ai pas trop galéré, ça va. Donc l'arrière qui commence à prendre forme. Je pense, ouais, je vais vite fait mettre les blocs blocs de musique là. Ouais, on va vite fait mettre quelques rajouts de blocs, des blocs de musique là, pour le plaisir comme ça. Puis après, je pense on va se quitter et on va faire la partie 4. De toute façon, il reste quoi à faire? En gros, il reste le toit et le dessous de la coque. Puis bah, après, les aménagements, je sais pas si je vais les faire. Je pense que je vais les faire quand même. Donc là, il y a un tapis qu'on peut mettre de l'autre côté. Je le mettrai peut-être plus tard ou maintenant. Ici, dans les coins, et en haut, dans les coins aussi. Donc généralement, toutes ces décos-là, elles sont un peu cachées. Bah, on les voit pas d'en dessous. Puis au pire, si on les voit, c'est pas grave, parce que c'est des enceintes. Tac. Si vous avez des questions sur le texture pack, n'hésitez pas à les poser. En haut, il n'y a pas d'escalier, donc c'est bon, il n'y a rien à cacher. Et en dessous, les escaliers... Attendez, les escaliers qui sont en dessous... Ils sont pas cachés, voilà, donc ils sont apparents. Là, j'ai fait un petit jardin. Ouais, donc là, vous pouvez mettre des coffres ou vous pouvez fermer, c'est comme vous voulez. Mon perso, j'ai décidé de laisser ouvert. Donc le fond, voilà, j'avais mis vite fait des lits. Petite table moderne à l'époque, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, je sais pas si ça se fait encore. Et donc, voilà, on a l'arrière de notre bateau qui est plutôt pas mal, ma foi. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, on se retrouve dans la partie 4 pour la suite du tuto, on fera le toit, je pense, ouais, sûrement le toit, parce que ça me dit bien de le faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder la playlist, à partager, et sur ce, bye tout le monde.